60%, on est déjà à 125 nœuds. T'inquiète, là on est à 132 pour ton tout réduit. Ah ouais, bien là, bien. Ouais, on aura le soleil un petit peu de face, dommage, mais bon. Ah, là je suis derrière, donc c'est bien. Waouh, waouh, waouh. C'est super chouette. Ah, c'est joli là, regardez. Ouais. C'est vachement beau. Pas de planeur devant. Tiens, on a les gorges de la montagne qui arrivent là-bas. Ouais. Ah ouais, on est où les falaises? Ah, ça c'est la route qui part à Châtel en Vercors là, qui est à gauche là. D'accord, elle est juste là, voilà. Voilà, là on passe le carrefour de la route qui part à la Chapelle en Vercors là. Affirme, ouais. Je te vois parfaitement. Visuel. Je le vois plus là. On est juste derrière vous, 1000 pieds, 1500 pieds plus haut. Je suis toujours salut en vue. Non, t'es 2000 pieds plus haut. 2000 pieds plus haut. Là, on arrive à la centrale électrique de Bourdillon, là, avec le porche de Bourdillon et le petit lac, là. Ça tu l'as pas dans les fesses. Ah non non, ça on l'a pas, enfin pas aussi beau en tout cas. Ah non. Oui voilà, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on a des choses qui ressemblent, mais qui ressemblent seulement. Parce qu'ils vont vous envoyer, c'est ça en fait. Alors là, tu vois, il y a le porche de Bourdillon, ça c'est en spéléo, j'avais plongé ça en bas. Il y a une grande cascade de 200 mètres là à gauche, qui va apparaître là. Elle doit être à sec cette saison je pense. Ah là non, elle coule. Et en tout en bas, il y a le porche. Et là on va voir les grosses touches oranges à droite, avec la rivière de Gournier là. Regarde, c'est pas beau ça? Regarde à droite, là t'as des belles falaises là, si tu veux. Ouais. Là t'as des grandes falaises avec beaucoup d'escalade. Voilà, on voit le parking avec des grosses touches oranges. Ah ouais. Ah. Et tu filmes bien
Ouais, j'essaye. Vas-y, okay, de faire des 360 dans la chevalerie, dans une vallée relativement étroite, mais en toute sécurité, quoi. Ouais. Bah, donc t'as vu, le mec, il est bien dans l'ombre, là-bas. Ouais. Bah, oui, je l'ai vu. Le plus dur dans l'histoire, c'est de garder le caméscope stable pendant que tu photographies à droite. Ça le remettre un peu plus bas. Tu me dis quand il arrive, le mec. Ben non, on va attendre quand même, hein. Ouais. Zoomer un peu. Filmer en même temps. Ok. Il arrive là, c'est ça. Ouais, il est trop devant nous, là, ouais. Vas-y, il doit à place, sinon je te verrai pas. Ah ouais, mais attends, parce que je te mets sur l'aile droite, là. Là, tu le vois sur l'aile droite, le mec. Bon, oh, visuel. Ah non, il monte, il a même un relais et tout. Ah non, il jump, le mec. Ok. Ouais, on met le cap sur Saint-Jean-Royan, là, Roméo Victor Tango. Ok. Soleil un petit peu de face, dommage, mais bon. Ah, là je suis derrière, donc c'est bien. Waouh. C'est super chouette, là. Ah, c'est joli, là, ouais. Et après, tu vois, il y a les grandes falaises de près, là, c'est vachement beau. Pas de planeur dehors, tiens, on a les gorges de la montre qui arrivent là-bas. Ouais. Non, t'es 2000 pieds plus haut. 2000 pieds plus haut. Là, on arrive à la centrale électrique de Bourdillon, là, avec le porche de Bourdillon et le petit lac, là. Voilà, ça, tu l'as pas dans les fesses. Ah non, ça, on l'a pas. Enfin, pas aussi beau, en tout cas. Ah, oui, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on a des choses qui ressemblent, mais qui ressemblent seulement. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est ça, en fait. Aïe. Et là, on va voir les grosses touches oranges à droite, avec la rivière de Gournier, là. Regarde, c'est pas beau, ça. Regarde à droite, t'as des belles falaises, là, si tu veux. Ouais. Là, t'as des grandes falaises, beaucoup d'escalades. Voilà, on voit le parking avec les grosses touches oranges. Ouais, t'es un petit peu obligé quand même.
quand même. Regarde ça, c'est si beau là-bas, regarde là-bas. Ah ouais, oh là là, aïe 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 aïe. Bon, Eric, ton moucheur, tu le gardes pour la sortie, hein. Ah ouais. Ah. Tu filmes bien, hein, que je garde la vidéo, hein. Ouais, 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 j'essaye. Bon, c'est bon, tu fais des 360 dans la chevalie, dans une vallée relativement étroite, mais dans toute sécurité, quoi. Ouais, ouais. Bah donc t'as vu, le mec, il est bien dans l'ombre, là-bas. Ouais. C'est de garder le caméscope stable pendant que tu photographies à droite. On pense à le remettre un peu plus bas. Tu me dis quand il arrive, le mec. Ben non, on va attendre quand même, hein. Ouais. Zoomer un peu. Filmer en même temps. Sinon je ne verrai pas. Eh ouais, mais attends, parce que je te mets sur l'aile droite là. Là tu le vois sur l'aile droite, ce mec. Dans l'ombre visuelle. Non, non, il monte, il a même un relais et tout. Non, non, il jump, le mec. Ok. Ouais, on met le cap sur Saint-Jean-Royan là, Roméo Victor Tango. Ok. Soleil un petit peu de face, dommage, mais bon. Non, là je suis derrière, donc c'est bien. Waouh, waouh, waouh. C'est super chouette, là. Ah, c'est joli, là, ouais. Et après, tu vois, il y a les grandes falaises de Presles, là, c'est vachement beau. Pas de planeur devant, tiens, on a les gorges de la montre qui arrivent là-bas. Ouais. Ah ouais, on les voit, les falaises. Ah, ça c'est la route qui part à la Châtel en Vercors, là, qui est à gauche, là. D'accord. Elle est juste là, voilà. Voilà, là on passe le carrefour de la route qui part à la Châtel en Vercors, là. Affirme, ouais. Je vois parfaitement. Visuel. Je vois plus, là. On est juste derrière vous, 1000 pieds, 1500 pieds plus haut. Je suis toujours ça vient en vue. Non, t'es 2000 pieds plus haut. 2000 pieds plus haut. Là on arrive à la centrale électrique de Bourdillon là, avec le porche de Bourdillon et le petit lac là. Voilà, ça tu l'as pas dans les fesses. Ah non, 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 ça on l'a pas. Enfin pas aussi beau en tout cas. Ah non. Oui voilà, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on a des choses qui ressemblent mais qui ressemblent seulement. Parce qu'ils vont beau, un relief, c'est ça en fait. Alors là, tiens, il y a le porche de Bourdillon, ça c'est en spéléo, j'avais plongé ça en bas. Il y a une grande cascade de 200 mètres là à gauche qui va apparaître là. Elle doit être assez sec cette saison, je pense. Ah là, non, elle coule. Et en, tout en bas, il y a le porche. Joli là, aïe 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 aïe. Et là, on va voir les grottes de Chevanche à droite, avec la rivière de Gournier là. Là, c'est pas beau ça? Si tu veux. Ouais. Là t'as des grandes falaises où beaucoup d'escalades. Voilà, on voit le parking avec les grottes de Chevanche. Et après t'as la grotte de Gournier, là t'as une rivière souterraine qui fait 80 km je crois, il y a 80 km de réseau. Magnifique là. Superbe là. Grandiose. Le parking là. Ouais. Le parking des grottes. Eric, tu notes ce qui est intéressant. On arrive à ce montant royant là. Comment? Eric, tu notes ce qui est intéressant, c'est que t'as l'impression que tu vas aller dire bonjour à la falaise. Ah, tout à fait. Regarde les grimpeurs dans l'ombre là. Ah ouais, la vache. Je suis pas sûr qu'il grimpe, mais...
mec rentre si tu n'avais pas d'entretien de quelque chose. Non, c'est que tu rigoles. Ah non, il était avec tout un gilet jaune et il avait d'autres trucs en jaune en dessous. T'essaies de me faire une photo du grimpeur? Ouais. C'est quoi alors tu dis? Ah, du grimpeur? Ouais. Ça va pas être simple. Ah bah tes photos grand faut pas hein. Regarde la vue comme elle est belle là sur ta gauche. Là c'est... Wow. C'est du bonheur en barre là. Vache. On a fait un 360 pour la vue hein Philippe là je te vois plus. Ah ouais c'est bon on vous a un visuel là. Ah oui donc t'es vachement plus haut d'accord je te vois. Vous êtes pas sûr de ce nous là. Pour pouvoir avoir de l'espace pour pouvoir faire demi-tour quoi. Bah ouais. Faut surtout pas rester au milieu de la vallée quoi. On a une instructeur qui dit rester près de la paroi, bah c'est. C'est quoi, c'est pas du bonheur ça? Ouais, t'as pas le choix là. Ah ouais, Là t'es un petit peu obligé quand même, regarde ça c'est si beau là-bas, regarde là-bas. Ah ouais, oh là là, aïe. Eric, ton moucheur, tu le gardes pour la sortie, hein. Ah ouais. Ah. Et tu filmes bien hein, que je garde la vidéo, hein. Ouais, j'essaye. Ah, c'est bon, on peut faire des 360 dans une vallée. Dans une vallée relativement étroite, mais dans toute sécurité, quoi. Ouais. Bah donc t'as vu le mec, il est bien dans l'ombre là-bas. Ouais. Ouais, j'ai vu. L'histoire c'est de garder le caméscope stable pendant que tu photographies à droite. On pense à le remettre un peu plus bas. Tu me dis quand il arrive le mec. Hein. Ben non, on va attendre quand même. Hein. Ouais. Zoomer un peu. Filmer en même temps. Sinon je appuierai pas. Ah ouais mais attends, parce que je te mets sur l'aile droite là. Là tu verras sur l'aile droite ce mec. Nombre visuel. Ah non, il monte, il a même un relais et tout. Ah non, il monte le mec. Ok. Ouais, on met le cap sur Saint-Jean-Royan là, Roméo Victor Tango. Ok. Ah c'est joli là, regardez. Et après tu... Pas de planeur devant, tiens on a les gorges de la montre qui arrivent là-bas. Ouais. Ah ouais, on les voit les falaises. Ah ça c'est la route qui part, c'est à l'envercourt là, qui est à gauche là. D'accord, elle est juste là, voilà. Voilà, là on passe le carrefour de la route qui part à la chapelle en Vercors là. Affirme, ouais. Je vois parfaitement. Visuel. Je le vois plus là. On est juste derrière vous, 1000 pieds, 1500 pieds plus haut. Je suis toujours salut en vue. Non, t'es 2000 pieds plus haut. 2000 pieds plus haut. Là on arrive à la centrale électrique de Bourdillon là, avec le porche de Bourdillon et le petit lac là. Ça tu l'as pas dans les fesses. Ah non, ça on l'a pas. Enfin pas aussi beau en tout cas. Ah non. Oui voilà, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on a des choses qui ressemblent mais qui ressemblent seulement. Parce qu'ils vont beau, dans le relief, c'est ça en fait. Alors là, il y a le porche de Bourdillon, ça c'est en spéléo, j'avais plongé ça en bas. Il y a une grande cascade de 200 mètres là à gauche qui va apparaître là. Elle doit être à sec hein, cette saison je pense. Ah là, elle coule. Et en tout en bas, il y a le porche. Aïe. Et là on va voir les grottes Chorange à droite, avec la rivière de Gournier là. Là c'est pas beau ça. Regarde à droite, là t'as des belles falaises là, si tu veux. Ouais. Là t'as des grandes falaises, beaucoup d'escalades.
radio, ça. Ah, le parking, là. Ouais. Le parking des grottes. Non, il monte, il a même un...